Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, membres de cette grande famille de Dieu et de l'Église Adventiste Mont des Oliviers, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Il fait bon d'être au pied du Maître. Je comprends exactement le sentiment du psalmiste quand il disait « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». Dehors, il fait froid, mais à l'intérieur, il y a cette chaleur fraternelle que nous retrouvons dans la présence de Dieu qui fait nous sentir nous bien. Pas vrai, frères et sœurs? Je suis content avec nous. Ça fait longtemps que je regarde nous de loin. Je regarde nous à travers Frère Charité, qui constamment, chaque sabbat, je suis sûr que ma prouesse a été passée dans le monde des Oliviers, sous page Frère Charité avec Sœur Cassandra. Je suis toujours sûr que ça a été passé. Mais moi, nous de loin, mais là, je viens nous là. J'aime qu'on ouais nous de loin, moi nous gagne 10 fois supérieur pour la gloire de Dieu. Donc c'est une église vivante, une église forte. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je remercie le pasteur de l'église. Merci de tout cœur à cette église pour l'accueil. Vous avez préparé un accueil chaleureux. Je suis bien content de voir que dans la communauté haïtienne, ici aux États-Unis, il y a encore de ces églises adventistes. Amen. Je suis bien content de cela. Frère Charité vient de vous présenter tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui sont avec moi. Mes enfants ont participé au coin des enfants. Je les félicite en dépit de leur timidité, mais ils ont participé. Mais j'ai ma sœur particulièrement qui vient de nous rejoindre lundi dernier. Et donc, elle a seulement quelques jours dans le pays. Elle adore avec nous. On a dû traverser hier soir ensemble pour venir ici. Mais je vois aussi mon bon ami, mon frère. Il y a des gens qui disent reconnaissance. Est-ce que reconnaissance sont bon bagage, frères et sœurs? Reconnaissance sont bon bagage. Petit bon Dieu par contre ingrat. Nous d'accord ça? L'on reconnaissant, bon Dieu ouvre porte, il jette bénédiction sur vous plus. Anglade Prince, c'est mon bon ami. On a grandi presque ensemble à Pétionville. Et Anglade, c'est comme un frère, c'est plus qu'un frère. Et à chaque fois que je rencontre Anglade aux États-Unis, je me dis toujours, Anglade, pas oublier ces roues que je fais là. Parce que là, je me remplis forme pour ma l'ambassade là, sur 4e fois. Parce que je suis allé sur 4 fois déjà, ça n'a pas marché. Et c'est Anglade qui remplit dernier forme moi. Et puis, je me dis, moi, fois ça, ou déjà aux États-Unis. Et je suis content que Anglade là, je connais Anglade, c'est mon chilo. Mais il choisit de venir là matin pour lui adorer avec nous. Donc, je suis bien content de ça. Frère Charité, tenez à ce que je sois là. C'est un ancien tenace. Bon, c'est son fanatique argentine, même j'avais. Bliez samedi là, bliez samedi là. Nous ne pouvons pas qu'un ça. Bliez samedi là. Mais en réalité, il est c'est un homme très dynamique. C'est moi, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend encore pour aller à l'école de théologie? Je le demande. Il doit y aller. S'il doit prendre ce que je dis là sur la chair de l'Église comme un appel, je le dis que le Seigneur l'appelle. Nous d'accord ça? Parce que lui, il a un ministère à exercer. Je suis content aussi de voir qu'il y a beaucoup de, je ne veux pas les appeler visiteurs, mais ici aux États-Unis, je comprends que des gens qui ne sont pas adventistes ont laissé leur occupation pour venir adorer avec nous un sabbat. C'est une grande chose. Est-ce que nous croyons ça, frères et sœurs? Maman vit l'église a agité mêle encore une fois pour souhaiter yo bienvenue, pour que yo senti yo la caillou. Me rencontrer plusieurs New Jersey, me rencontrer qu'on a joué au football, me rencontrer yon qui dit samedi
Je dis, c'est le samedi, mal mettre en fait time, oui. Je dis, pas qu'à prendre tout ça, pas qu'à perdre du samedi. Il y a un même qui te dit, ma advertise, yo prend trop de jours dans la semaine. Depuis vendredi, yo prend jusqu'à samedi. Donc, long on visite un monde qui n'est pas adventiste, vient adorer dans l'église adventiste. Ici, là, aux États-Unis, c'est une grande chose. Et nous souhaitons ardemment que passage dans l'église là capable de comme une source de bénédiction pour la vie. C'est vrai, pasteur, l'église là, pas bonne autorisation. Ça, même quoi m'a dit ça? Nous, en place son chita comme visiteur, mettre prendre le pour vous. Rete là, de pour venir là, dit garde place, ça c'est pour moi lié. M'a prête là. Pas de monde qui a mis de yon là dedans encore. Parce que la maison de Dieu doit être une maison de prière pour tous les peuples. Prions le Seigneur. Nous allons ouvrir ta parole au tendre Père. Édifie-nous par cette parole et donne-nous de la mettre en pratique dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. J'ai en réalité un message qui n'est pas trop long. Pas trop long. Okay. Le frère de Patmos que je vois là, l'ancien de Patmos, le commissaire de police. Ah. Mais je le connais comme ça, c'est un chef guide comme moi. Très bien. Ok, je le connais très bien. Le dernier sabbat que j'ai passé en Haïti, il m'a accueilli dans son église à Patmos. J'ai été pour installer le pasteur Kriner à l'église. C'est lui qui m'avait accueilli comme premier ancien de Patmos. Je suis content de te voir, mon frère. Finalement, j'ai l'impression que des Olivier prend tout bon monde d'El Mayo. Je disais que je ne vais pas être long, mais ce n'est pas plus long que si seulement nous participer avec dans le message là. Je voulais que nous comprenions le message matin. Et le titre est clair. Viens et vois. Viens et vois, c'est comme un appel de compassion. Viens et vois, c'est comme un appel à la miséricorde de Dieu. Viens et vois, c'est comme un appel à placer de côté ses préjugés et à venir voir réellement de quoi il en est. Mais viens y voir. Ce doit être aussi pour chacun de nous ici en ce matin. Un engagement à aller par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Tout le monde aime en réalité partager ce que nous recevons de meilleur. Ce dont nous expérimentons, nous estimons qu'il est parfait, qu'il est agréable. Nous voulons à tout prix partager. David disait même dans sa prière, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Là, nous jouons nos bons bagailles, qui ça nous fait avec elle? Nous parler de lui. Nous, chaque qui l'a, gon référence d'un bon bagaille dans l'esprit nous. Si y a monde qui malade là, qui de maladie nous gagne, nous même haïtiens, nous gon paquet de bon médicaments. Nous tendez moun nan gen tel bagaille. Premier ça nous dit qui ça? Ou pas prend? Parce que nous gon référence. Et le plus souvent, nos références, yo découlé directement à partir de ce dont nous avons expérimenté. Ça me dit la vraie, frères et sœurs. Parce que même la morale dit, en réalité, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Je raccourcis mon texte. Je viens dans Jean chapitre 1er. Est-ce qu'on peut mettre ce texte pour nous à l'écran? Ou bien ouvrir Bibou, lumer Bibou. C'est ça qu'il ne faut pas dormir et qu'il ne faut pas prêcher l'ongle. Allez-y, ouvrir Bibou là ou bien lumer. Je ne sais pas. Quel que soit Jean le cahier, mais je veux que la parole soit sous vos yeux ce matin. Jean chapitre 1er. Nous allons voir que dans ce texte, il est question de la vocation des disciples.
Mais à chaque fois que j'ai cette possibilité de regarder la vocation des disciples, ou du moins le choix des disciples, il y a deux bagailles qui toujours viennent dans l'esprit. La première, c'est que Jésus qui est venu, il a une mission spéciale. Et la mission de Jésus, Jésus le présente clairement dans Luc 19, verset 10. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'était une mission noble. Et pour accomplir cette mission, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que pour accomplir cette mission, Jésus a voulu avoir des hommes à ses côtés. Et je comprends par là, frères et sœurs, chers amis, auditeurs, internautes, vous qui nous regardez sur la radio, télévision, phare divin, en ce matin, je comprends la compassion de Dieu. Parce que la mission de Jésus était si noble, comment se fait-il pour accomplir cette mission? Il voulait s'associer avec qui en réalité? Des hommes, mais pas seulement des hommes, mon frère, mais des hommes ordinaires. Parce que pour choisir ces hommes, la Bible dit que Jésus prenait la direction de la mer de Galilée. Mais arrivé le long de la mer de Galilée, qui il va rencontrer? On a la même vite. Qui il va rencontrer, frères et sœurs? Des pêcheurs de poissons. Comment est-ce qu'il est un pêcheur de poissons? Vite, bon, là. Comment est-ce qu'il est? Ok, bon, orientez-nous bien. Sur le plan intellectuel, comment est-ce qu'il est? Un pêcheur de poissons. Ah, moi, je bien comme ce qui fait. Vous avez compris ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'il s'habille? L'habillement, un pêcheur de poissons. D'ailleurs, Jésus a le bol en main, même là, le cherche. Comment le joigne-ni? L'habillement sous l'IA. L'aussi frais, j'aime moins ancien, nous y est là. Maintenant, parler de rang social, pêcheur poisson. Hein? Qui relation? Je ne sais pas si dans le pays, nous ici, là, mais dans le pays, si tu as osé dire au monde, machin, poisson, ou dis-le en cause. Parce que nous tous nous d'accord que pêcheur de poisson, machin de poisson, dans l'esprit, nous, c'est des ordinaires. Mais bon, me rappelle au matin, Jésus n'a jamais appelé des hommes qualifiés à son service. Mais ceux qu'il appelle, il les qualifie toujours. Jésus n'a pas besoin des hommes forts à ses côtés. Mais ceux qu'il appelle, il les fortifie toujours. Dans ma Bible, j'ai lu, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il prend l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Donc si je dis à moi, vous, nous n'avons pas mettre là, n'avons pas doré, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, mais c'est parce qu'il fait nous grâce. Jésus a voulu des hommes pour être avec lui. Il est allé le long de la mer de Galilée et certes, il a trouvé des pêcheurs de poissons et là, il a rencontré pêcheurs de poissons, yo. Il dit, yo, suivez-moi. Suivez-moi. Et je vais faire de vous des pécheurs. M'a changé statut, nous. M'a changé orientation, la vie, nous. Et c'est dans le contexte, ça, que dans Jean, chapitre 1er, Jésus a choisi des disciples. Vous pourrez lire chez vous, à partir du verset 35, vous allez voir que c'est les premiers disciples qu'il a choisi là, mais particulièrement au verset que nous venons de lire, à partir du verset 43. Allons à partir du verset 43. Jésus est en train de choisir des disciples. Il venait de choisir des pêcheurs de poissons, mais là, au verset 43, nous sommes, le texte dit, nous sommes quel jour? Ah, nous pas de texte ça, nous pas de verset ça, nous n'avons pas de la Bible, nous, nous n'avons pas fait une heure de temps, il me dit, nous n'avons pas fait une heure de temps. Parce qu'il faut nous comprendre ça m'a prêché matin. On a la même. Nous sommes le lendemain. Parce que là, maintenant, le lendemain, c'est comme une connexion. Théologie aurait sa cheville rédactionnelle. C'est quand des bagailles qui marquent transition par rapport à ce qui est passé
avant et puis après c'est connecté de événement yo. Le lendemain, Jésus voulut se rendre où ça? En Galilée. Et là, il rencontra qui? Premier nom pour nous kembe, Philippe. Mais qui est-ce qui a rencontré Philippe? Oh, l'église ça va là, l'église ça va là, l'église ça va là. Moi, j'ai mon qui grappe Kabicha. Jésus a rencontré qui, frères et sœurs? Philippe. Et qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre de Jésus avec Philippe? Jésus dit à Philippe quoi? Suis-moi. Et le texte dit que Philippe était de Bethsaïda, de la maison de André. Bethsaïda, Beth veut dire maison, Saïd et Saïdos, ça veut dire et poisson. Bon, Bethsaïda, c'est la maison des poissons. Nous, pour qui ça auteur dans le texte là, ajouter ça, c'est comme si m'a dit, le m'a préféré sur le texte, m'a médité, moi, m'a dit, c'est même machin de poisson. Yo. Nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire? Parce que cette partie-là pouvait être intercalée du texte. Nous ne sommes pas d'accord ça? Lui, juste ajouter, ce Philippe-là dont on parle là, merci, on mettait le sous écran. Ce Philippe-là dont on parle, il était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Parce que hier, Jésus venait d'appeler Pierre et André qui jetaient un filet avec leur père. Vous vous souvenez de tout cela? Jésus leur avait dit, suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Maintenant, ce Philippe-là, il est le même. Mais au verset suivant, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 45. Philippe lui-même, il rencontra qui? Maintenant, pas moi si l'église a là pour me finir plus vite. Jésus rencontra. Quel homme a pu commencer? Quel monde qui dit Nathanaël? Jésus rencontra. Et Philippe rencontra. Maintenant, de la rencontre de Jésus avec Philippe, Jésus lançait l'appel direct à Philippe. Suis-moi. Et maintenant, regardez au verset 45. Philippe, à son tour, il va rencontrer Nathanaël. Le texte n'a pas donné trop de détails. Mais je m'arrêtais particulièrement sur l'appel de Jésus à Philippe. Je comprends là, dans l'appel de Jésus à Philippe, que particulièrement, Jésus à tout prix mettait l'accent sur cette transformation qu'il a opérée dans la vie de Philippe. Pasteur, pour qui ça dit ça? Parce que le témoignage de Philippe à sa rencontre avec Nathanaël pour le montrer pour tout bon que quand Jésus avait dit à Philippe de le suivre, assurément, Philippe avait déjà expérimenté Jésus. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est comme il dirait si quelqu'un accepte le Christ, si quelqu'un expérimente le Christ, oh, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si par le temps, on était des marchands de poissons, on portait à la ville que des poissons, mais à la rencontre de Jésus, on a autre chose à apporter à la communauté. On est devenu maintenant des porteurs d'espérance. On est devenu des porteurs de bonnes nouvelles. Figui nous pas marrer encore. Figui nous pas plisser encore. Nous pas marcher raconter moun problème encore. Nous sommes l'église, nous sommes adorés. Bible nous, livre de chant, nous n'en nous. Gardez nous pas marrer visage nous. Pour nous demander, à pas tout problème pays à déposer sous figui moun sa yo que sot l'église là. Mais les a gardé dans rencontre ça nous saute bien là côté ça nous sorti matin là les nous rivé la caille nous yo rendu compte que sous visage nous gon sourire yo rendu compte que dans bouche nous gon chant d'allégresse et de joie
Mais il y a demandé qui ça qui a passé dans la vie nous comme ça. Ou saute l'église ou saute adoré. Mais a pas yo rentrer dans kay la différemment qu'on y a. Ou t'es toujours pas dit moun bonjour. Ou t'es toujours à garder moun avec dédain. La caillou ou t'es moteur dans question conflit a pas depuis moi saute l'église la matin la vie. Quand tu clame pas qu'on ait dit ne me demande pas comment ma vie a été changée. Ne me demande pas pourquoi ma tristesse a disparu. Mais seul ça me dit au matin. Seul ça me dit au moment ça. Jésus l'a fait pour moi. Philippe a tellement expérimenté cette rencontre avec Jésus que au verset suivant, quand il a rencontré Nathanaël, gardez-vous l'expression du visage de Philippe. M'en vit à l'église à la kounia qui c'est Philippe. M'en vit à l'église à qui c'est Philippe et qui vient transformer kounia ka bay nouvelle là. Hey! Permettre que je prends seulement un petit temps pour me dire nous par contre ça veut dire porteur de bonnes nouvelles. Nous par contre ça veut dire non. Mse moun alors maman m'remet dit mse moun en dehors. Je juste remet dit ça. Lors déplacer qui tendait province ça pour aller l'école dans boucle là. En dehors gros monde rivière Mansel, c'est pas dans boucle non, c'est pas bagaille la ville non. En dehors net parce que nous tout nous c'est moun Port-au-Prince, moi même c'est moun en dehors. Quand il allait à l'école ou gens ou marcher presque environ 1 heure 15 minutes pour aller l'école là. Vous imaginez qu'on y a à l'école premier trimestre et pour que ça te connait le canet. Chaque trimestre, ou gon moyenne 5, ou gon moyenne presque 6. Bon, le pat kon 4 pour moi, mais le pat toujours. Le pat kon 8, tout le pat kon 9. Parce que je sais que je suis un homme moyen. Mais quand vous l'êtes moyenne dans faible premier trimestre, yon pas battu non, mais yon bon. Et puis, quand vous avez pris le deuxième trimestre, moyenne dans fond. Bon petit monté parce que long gros bout de 6 qui presque semble avec. Zamim, ou pas qu'attendre l'école la lagué pour al porter kané ça la caille. Ou envie courir et depuis dans route ou getan a plagué nouvelle là. Mais l'inverse est aussi vrai. L'elle pas bon. Et pas marron, marron. Philippe était à ce moment-là un porteur de. Ah, l'église n'a pas là, l'église n'a pas là, l'église n'a pas là. Philippe était un porteur de. Bonne nouvelle. Bye, mon koto la main. Gardez-le, dis-le, bon Dieu, v'le matin, on son porteur de bonne nouvelle. Dis-le ça, Kounia. C'est pour un porteur de. Bonne nouvelle. Ou pas qu'à constamment ces mauvaises nouvelles ou à pot baïmoun. Ou pas qu'à constamment ce petit moun. Gardez, mais ça est tel, dit sou oui. Mais ça, il faut faire attention à qui tel. Et pas de nous parler, non, mon des Olivier. C'est pas de bagaille moun ici, non, m'a parlé. Ou pas capable de porter de mauvaises nouvelles constamment. Je le disais ce matin avec ma soeur dans la voiture, comme dans la vine là. Ou moun pas capable de l'autre pour la dire l'on parole qui pour. Déranger relation moun. Vous devez être des porteurs de bonnes nouvelles. Et c'est ça, bon Dieu, voulait que nous y moun qui rencontre avec Jésus pour tout bon, yon pas baye moun mauvaise nouvelle. Moun qui rencontre avec Jésus pour tout bon, qui transforme, c'est moun wap gade. Lè yon prie pour vous. Lè yon prie pour vous. Oh, gade non. Prier yon monte et grâce là. Moun qui rencontre avec Jésus pour tout bon, leur rencontre avec yon dans l'orbi l'église, dans le parking l'église. Regardez, li gon sourire li barou, li gon énergie spirituelle que le transmet ou, ça force en tout à vivre. Pour qu'ils soient choisis un porteur de chagrin,
yo rencontre ou, yo mando ou comment yé. Oh oui, m'la m'a boulé. Yo mando ou comment ça yé pour ou dans la vie ou, comment yé. C'est quand ou toujours gon. M'pa vle di plein nan bon ami tan nou la pour nous pas courir derrière. Mais c'est comme si ou gon bagay, ou gon jan ou met visage ou. Ou là ou a parlé constamment que de bill, que de bill, que de bill, que de bill. Mais est-ce que mon Dieu pas prend soin ou? Gen moun ki prend temps hôpital pour yo faire promotion pour maladie yo. Ou rencontre moun nan comment yo? Oui, sentia. Oui, genou. Oui, doa. Oui. On allez, bon moi l'église à Kounia qui Philippe. Bon moi Philippe, parce que faut me finir là. Bon moi Philippe qui là, bon moi Philippe yo. Philippe qui rencontre avec Nathanaël. Philippe rencontre avec Nathanaël. Cœur content, cœur joie, yo content. Mettez texte pour moi sur écran parce que moi mon yo qui l'a fait mes bibles, yo veut me finir. Philippe rencontre avec Nathanaël et Philippe prend la nouvelle là, dans conseil Nathanaël. À qui sentiment la bain Nathanaël nouvelle là? Elle dit Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont, verset suivant, et dont les prophètes ont parlé. De qui s'agit-il, frères et sœurs? Jésus de Nazareth, fils de Joseph, dit béni soit l'Éternel. Nous avons rencontré, finalement, celui de qui les prophètes ont parlé. Nous avons rencontré celui de qui on a parlé dans la loi. Nous avons rencontré celui qui seul peut guérir de toutes les maladies. Moi, je pense que là, Philippe pouvait s'arrêter là. Parce que avec Nathanaël que Philippe parlait, m'a anticipé vite, avec Nathanaël que Philippe parlait, c'était un Nathanaël qui était un étudiant de la parole de Dieu. Parce que plus tard, je ne vais pas m'arrêter, plus tard, quand Jésus va dire à Nathanaël, je te connaissais quand tu étais sous le figuier. Le figuier, à ce moment-là, c'était une école de théologie. Jésus va le dire à Nathanaël, ça, et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, Nathanaël, ça, c'est pas un ignorant de la parole de Dieu. Donc, les Philippe seulement dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé. Philippe pouvait s'arrêter là. Mais imaginez Philippe gâté bagaille là. Philippe gâté bagaille là. Philippe ajoute deux bagailles dans le message là. D'après moi, oui, qui gâté le. Mais bon, dis-nous. Ce n'est pas ça gâter message là qui est important. Mais c'est bail message là. Jean doit baler là. Pour qui ça Philippe ajouté? Jésus. Mais de qui Jésus le dit la parler? Maintenant, bon, dis-nous. C'est comme si tu as dit, Nazareth, c'est ton quartier dans Bethléem. Pour qui ça d'après nous? Philippe pas dit c'est Jésus qui sorti dans Bethléem. Est-ce que l'église a là avec sa m'appelle là? Il dit c'est Nazareth. Et qui Nazareth? Et il parlait encore c'est le fils de. C'est quand Philippe vient à con vitesse pour le bail Nathanaël bonne nouvelle et voici Nathanaël prend Philippe à demé lui voyait l'en l'air. Verset suivant, ça Nathanaël dit Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de... Nous comptons comment on relève ça?
Nous comptons comment on ça. Et ça arrive le plus souvent. Il y aurait les préjugés. Préjugés, là, je regarde dans la définition de nous. Il dit son jugement qu'on prononçait. Avant même qu'on ne connaisse. Aïe! Sans pile fois des conclusions que nous faisons, sans pour autant nous pas expérimenter. Quel visiteur qui l'a nous matin, malheureusement, il dit qu'il n'adventise pas manger les samedis. Il dit qu'il nous pas manger les samedis. Il dit qu'il nous pas manger cob les samedis. C'est quand vous prenez un paquet de bonnes bagailles, vous laguez sous dos Adventiste là, et puis qu'il y a tout le monde qui a gardé nous, vous rendez, vous classez nous. Il y a un autre qui dit, vous n'avez pas adoré. Vous dites, adoration, vous n'avez pas trop frais. Il y a des gens qui ont des connotations négatives de l'église là, sans pour autant qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont entendu parler d'adventistes, qui ont parlé de pasteurs adventistes, qui ont parlé de dirigeants adventistes. Il ne faut pas jamais mettre pied dans l'église adventiste. Même quand on a matin dans le monde des oliviers, pour si là, yo qui là, yo vle suspendre de sa yo abdi. Mais yo pito vinoué. Nous imaginez ça, Philippe, ta ka di. Nathanael, beaucoup n'y a. On mette Philippe comme haïtien. Et pas blanc, nous, et pas nous même non haïtien, m'a parlé de haïtien. Et bien nous-mêmes, nous, nous sommes nous, nous, pas haïtiens. On met Philippe comme un bon haïtien qui vient bailler une nouvelle comme ça. Et puis c'est comme ça, on prend l'ouvoyel. Philippe pouvait dire à Nathanaël beaucoup de choses. Mais à la réaction de Nathanaël, Philippe ouvrait la bouche et disait clairement à Nathanaël, simplement, viens et vois. Je termine mon sermon pour vous dire ce matin que viens. Viens, c'est une démarche personnelle. Viens, c'est une démarche personnelle. Et que nous, chaque qui l'a maté, doit sortir avec ça dans l'esprit nous pour nous mettre de côté tout préjugé que nous t'a gagné par rapport à la vie on frère, par rapport à la vie on sœur, par rapport à l'église adventiste, pour nous prendre disposition plutôt pour nous venir. Ouais, si l'église aujourd'hui a besoin d'un réveil et d'une réforme, si l'église souffre après une transformation, frères et sœurs, li pa doit commencer par yo. Li pa doit commencer par li. Li pa même doit commencer par nous. Mais il doit commencer par moi-même. C'est pourquoi je veux dire dans ma prière chaque jour, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur, je ne prie pas pour mon église. Seigneur, je ne prie même pas pour ma famille. Mais regarde si. Montre-moi de qui elle a parlé. Montre-moi qui elle a parlé. Montre-moi pour moi. Regarde si je suis sur une. En plus d'être une démarche personnelle, vois
viens, c'est une démarche personnelle. Mais vois, c'est une démarche rationnelle. Pas grand pile fois qu'il y a des bagailles qui te racontent dans le monde. Et puis, leur rencontre avec le monde, ou rendons compte que tout ça a été dit. Ce n'est pas ça. Pas grand pile fois dans l'esprit ou qu'on étiquette ou met sur le monde. Et puis finalement, leur rapprocher. Ou finalement rendons compte que tout ça a été dit. Ou bien sortez ouais de loin. Hein? Sort à garder de loin. Hein? L'on vini ou rendons compte que c'est deux bagailles. Si vient, son démarche personnelle. Si voit, c'est une démarche rationnelle. M'passe viens et vois son démarche salutaire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous pas venir l'église là pour nous venir laver main nous sur la terre. Nous pas venir vendre bon temps pour acheter la fatigue. Mais si nous venons là, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. La anormale que nous, notre église là, n'a persévéré depuis des années. Et pour Jésus t'a venu. Et puis pour nous, t'a perdu. M'en vie nous retourner. Envie nous vienne. À mon appel ce matin, je veux utiliser le thème de Philippe. Viens et vois. Mais si je dois christocentrer mon sermon pour terminer, quand Nathanaël, n'a fini la caille nous, quand Nathanaël est arrivé auprès de Jésus, est-ce que Jésus à ton à esprit pas nous pas qu'on est qui ça Nathanaël te est-ce que nous pas penser tout Philippe pour jouer une bonne grâce non mais Jésus ta ka al di Jésus où est ton sacré le Nathanaël là veillez zo avec tendez mais le Nathanaël rivé bon côté Jésus où Jésus ouvert de bras. Et il dit à Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et j'ai noté la magnanimité de Jésus, la miséricorde de Jésus. J'imagine Jésus qui ouvre ses bras en train de dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé. Par le passé, vous avez eu des opinions, je dirais contradictoires par rapport à ce que je peux faire dans ta vie. Mais puisqu'on vit ni matin, ou vient dit tout confus, brisé, je me rends. Reviens à ton père, enfant, égaré. Je n'ai pas envie qu'il y ait des visiteurs qui l'aillent aller matin. Sans au moins, je ne fais pas prière pour eux. Je vais prier, yo ba yo cadeau, nous recevoir yo. Mais comme pasteur dans l'église adventiste, je vais prier pour eux matin. Parce que bon, dis nous, les gens ne peuvent pas piler l'église là pour pas sortir béni au nom de Jésus. Salomon, lors de la dédicace du temple, dit dans prière, le Seigneur, c'est pour étranger à même qui vient dans le temple. L'elle vient dans le temple, lui prier, s'il est malade, c'est pour guérir. S'il a un problème, c'est pour problème, il résoudre. Les amis, si vous avez quitté l'occupation ou vient dans le temple matin, bon Dieu, une bénédiction spéciale pour vous. Il y a ce cantique que nous pouvons chanter.
Le numéro 245. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui j'ai péché, car toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi, l'heureux sonne. C'est toi qui l'attends. Si un visiteur qui te vient la matin et qui sent-il un problème particulièrement, et qui t'a remé que dans la prière, ça nous intercède pour lui, ou qui a venu jusque par devant, ou qui a venu jusque par devant, un visiteur qui t'a remé nous prier spécialement pour lui matin, pour un problème familial, pour un problème d'immigration, pas qu'on ait quel que soit nature problème, non. Mais qui t'a remé que nous prier pour lui. Ou m'être venu jusque par devant, Nous pral prier pour tout visiteur qu'il a, tout le monde qui pas adventiste qu'il a. Parce qu'on pas de gain doit venir dans temple là. Souvenir pour venir, ouais. M'ta remé pour tout bon l'air aller. Ou dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais pour mon l'église yo tout nous pral prier jodi a. Nous pral prier pour mon l'église yo. Parce que ça qui arrive là depuis longtemps même j'avais. Ça qui arrive au fait dans l'église à même j'avais ou grandi dans l'église à même j'avais mon pourquoi j'aime venir ou pourquoi j'aime expérimenter bon Dieu. Est-ce que Matthieu pas ta remé sur ça qu'on expérience dans l'Éternel pour dire Seigneur même j'ont te bail Philippe on bagay kebe dans mel pour l'al pour t'aller prends ma coupe Seigneur remplis la. Et les moun après le garder pour yo dire il y a pour tout bon j'aime coupe m'a débordé m'a ka lever même pour fin d'année ça les moun a dit mais comment on fait content comment on fait qui ceci m'a dit yo c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est eux prodige à mes yeux. Visiteur ou mettre vin devant membre l'église ou mettre met à genoux côté et nous pral prier pour. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui. Visitez-nous, mettez-nous à genoux là. Mettez-nous à genoux, nous allons prier pour nous. J'ai péché. Membre l'église, mettez à genoux dans la place où. Oh, pour toi, l'heure sonne. Pour toi, l'heure sonne. C'est toi qui l'attends. Deuxième strophe l'a dit. Reviens à ton père. Nous qu'à chanter. Nous qu'à chanter ta son prière. Ses biens sont pour toi. Petit bon Dieu, par contre, malheureux. Petit bon Dieu, par contre, dans misère. Petit bon Dieu, par contre, on a traîné. Petit bon Dieu, par contre, on a dormi sous notre tout temps. Seigneur, tout bagaille, c'est pour lui. Il est prêt pour le changer, pour le transformer et pour le bon tout ça le posséder. Il est en mêle devant vous. Il est logé mêle par vous. Et Kounia. Et c'est lui-même qui dit vini, vini. Nous chantons quatrième strophe là. Quatrième strophe là avant de prier. Reviens à ton père. Reviens à ton père. Reviens, c'est le port. Reviens. Jésus reste et demeure le port. Il est le port. Reviens. Le choisi vient joindre Jésus. C'est la vie ou choisi au lieu de la mort. C'est changer de camp. Vois-tu son cœur saint. Ça fait Jésus mal qu'on t'a souffri déjà longtemps. Devant malheur qui a infligé sur vous dans un pays difficile, ça. Jésus est là au matin. Viens donc, il te traîne. Enfin. Sur son cœur. Éternel, notre Père et notre Dieu. Ça fait longtemps
n'a cherchons expérience avec vous. Ça fait longtemps n'a cherchons l'autre niveau spirituel avec vous. Mais ça arrivait au tendre père que nous avons une série de préjugés. Nous avons une série de bagailles nous mettent dans l'esprit nous qui fait nous comprendre que nous pas bon, qui fait nous comprendre que bon côté on ça pas changer vrai. Oh, ou parler avec nous matin. Ou relé nous venir. Nous venir puisque c'est nous-mêmes qui pour tête nous. Son démarche personnelle. Nous venir pour nous ka ouais. Parce que les nous ouais pour tout bon, les nous expérimenter pour tout bon. Kounya n'a pas qui est souillé, n'a pas qui sont café. Et puisque nous venons et nous ouais, nous voulons kembe salut à midi ça. Nous voulons qu'on mette non nous dans le livre la vie. Nous voulons pour tout bon corps inscrit non nous parmi les rachetés de tous les âges. Seigneur, mais pitié tout ça yo. Qui poko baptisé dans l'église ça, qui poko accepté le message des trois anges, mais yo à genoux devant trône, yo pas venir rencontrer pécheur que miye ya, yo pas avancé pour rencontrer pièce humaine qui là, mais yo quitté place yo quitté la caillou, yo quitté job yo jodi ya, yo te recevoir invitation et yo vini. Seigneur, pas quitter yo quitter temple en matin, son pas jeter sous yo yon bénédiction. Seigneur, konn ki sa yo besoin. Genye ki avance là. Yo pas vinn raconter pasteur a problème yo. Mais nan cœur yo la pendant ya genou, ou konn ki sa yo besoin. Si jodi 2 décembre nan yo te passé nan temple nan mont des oliviers, en ce jour de sabbat, jour de libération, jour de guérison. Seigneur, t'en prie, dis un mot pour yo. Pas quitter yo, quitter temple. Et pour yo retourner la caillou avec même problème. Nan. Si yo te sceptique comme de Nathanaël, ça yo wè et yo vive jodi avou. Fait que yo vin des porteurs de bonnes nouvelles comme Philippe. Seigneur Dieu, l'église mon des oliviers à genoux dans pied. Ou qu'on passe l'église là. Premier ancien. Ancien yo, membre l'église yo. Seigneur, l'église l'a traversée dans la vallée de l'ombre de la mort. En ces moments difficiles, l'église adventiste est en train de connaître des moments extrêmement graves et terribles. Mais nos yeux sont sur toi. Parce que l'église, ça c'est l'église Paulier. L'église, ça c'est où qui plantez le Seigneur. L'église, ça c'est où qu'a dirigé. Seigneur, t'en prie, souple. Bénis ton peuple en adoration en ce matin. Permette que zèle l'évangile pousse dans dos nous kounia. Pour nous suspendre des chrétiens qui marqué pas sous place. Pour nous suspendre des mouns qui viennent là, qui plaignent par rapport à l'évangélisation difficile dans zone non. Par rapport à ce que faire évangélisation dans le pays, ça, c'est pas bagaille qui facile. Ça pas souci nous. Nous aide l'évangile pour que quel que soit côté nous passer, moun kap gade nous pour nous reconnaître nous ces petits bon Dieu et pour nous dire de nous mais qui sont ces gens sur radieux visage. Il a dit yo, nous étions par le passé des esclaves, nous étions par le passé des pauvres pécheurs, mais libres dans le sang de Jésus, nous sommes prêts à marcher vers le ciel qui est la maison du Père. Seigneur, pendant nos genoux devant matin, encore une fois, inscris-nous dans le livre de la vie. Pour que l'appel soit fait dans le ciel. Là, nous capables de répondre présent. Nous venons. Nous venons joindre nous. Pas quitter nous aller, même gens nous te souvenir. Font bagaille dans la vie nous que vous pas jamais fait. Opérons miracle que pas jamais opéré. Font bagaille dans la vie mon des oliviers que pour que j'en fait. Et pour fin d'année ça, nous chaque à marcher dit tout côté nous passer. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Faveur à grâce à yo. Nous pas mandou yo parce que nous bon et nous juste. Mais nous mandou yo dans nom petit tout Jésus.
les mêmes qui vivent et qui prennent, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, quand nous venons et nous voyons, pas oublier, ça nous voyons, ça nous vivons là, ça nous expérimentons là, nous n'avons pas le droit qu'un bel pour nous. Sous-senti, ou qu'un bel toujours, ou là, ou comme si m'ta dit, ou loup par rapport à prêcher l'évangile. Sous-senti ou loup par rapport à témoigner tout côté passé ça bon Dieu fait dans la vie ou pour qu'on ni vini ou pour qu'on ni wè ou bien on ka toujours vini parce qu'on là chaque samedi ou vini mon pour qu'on wè parce qu'on l'a fini wè yeux ouverts ou comprenne ou pas rien de terrestre que ou après régler encore mais yeux fixés vers le ciel. Ou t'as dit plutôt, couronne moi devant. Nous chita là n'a pas les mal. Nous chita là n'a fait tripotaille. Nous chita là n'a marqué pas sous place. Nous chita là nous pas évangéliser. Mais moi-même, couronne moi devant. C'est dans le ciel m'bralé. Parce que m'te vini, m'ouais et m'a partagé. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.